Bon, je pense que quand on vient jouer au foot, on ne vient pas en victime, on vient en vainqueur. Donc, ce n'était pas le moment idéal de douter de ses qualités. Et j'ai profité de cette force-là, manquant pour pouvoir arrêter le pénalty. Bon, la force de notre équipe, c'est la solidarité. On a été solidaires du début jusqu'à la fin. Et puis, on s'est donné la main et des objectifs. Donc, pour atteindre les objectifs, il faut jouer tous les matchs. Donc, pour atteindre les objectifs aussi, gagner les matchs. Donc, on a été conscient de la situation qu'il fallait gagner aujourd'hui pour éviter la CAN. Et on s'est donné la main, on a été solidaires du début jusqu'à la fin pour pouvoir remporter le match d'aujourd'hui. One question, and then he goes back, please. C'est des questions administratives. Naturellement, nous, en tant que techniciens, nous nous sommes mis à la disposition de notre administration. C'est l'administration qui a discuté avec eux. Bon, nous, on nous a dit de nous mettre sur le terrain parce que le match n'était pas fini. Et je crois qu'on n'a pas demandé autre chose. Nous sommes mis à leur disposition. Mais malheureusement, l'équipe adverse n'a pas voulu faire sa présence. Et le match a été sifflé fin par l'arbitre central. Le jeu a été tout à fait simple. Nous avons d'abord démystifié le match. Nous nous sommes dit que c'est vrai que c'est la Tunisie deuxième au classement mondial africain, mais nous, notre objectif, c'est de jouer tous les matchs, match après match, sans se mettre la pression, et sans surévaluer aucun adversaire, et mais surtout sans sous-estimer personne. Et sans se surestimer soi-même, ni se sous-estimer. Donc, c'est un match que nous avons géré avec la plus grande patience possible, et avec toutes les stratégies sur le plan technico-tactique pour pouvoir remporter le gain du match. Donc, vous avez vu même la gestion rationnelle de l'occupation de terrain, l'exploitation judicieuse, surtout de transition, parce que ça se joue à ce moment-là, justement. Donc, voilà tout ça. Je ne vais pas rentrer dans tous les ingrédients tactiques, mais en grande ligne, c'est cela. Il fallait faire une bonne gestion de nos deux phases de transition et être en place à tout moment à la perte du ballon. Je crois que voilà tout.